Petit exercice sur un pied d'équilibre, proprioception. Côté, bah ici c'est droit. Vous levez un genou, vous levez un pied. Vous essayez de garder la stabilité, votre équilibre. Vous vous concentrez sur votre pied d'appui. Donc, il ne doit pas bouger. Il ne doit pas se déplacer, il peut bouger dans le sens de la recherche d'équilibre, mais ne pas se déplacer. Vous pouvez plier la jambe ou la tenir tendue, les deux se font, c'est conseillé de faire les deux, ce n'est pas du tout la même chose. Quand c'est trop facile, vous pouvez faire des exercices de déséquilibre dans tous les sens, pour donner donc un petit peu plus de difficulté. Sinon, vous avez la possibilité de vous fermer les yeux, ce qui est plus difficile, donc faites attention. Vaut mieux déjà bien tenir les yeux ouverts pour ensuite fermer un petit peu les yeux. Quand vous fermez les yeux, au départ, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va être une seconde ou deux ou trois. Dès que ça ne va pas, il faut ouvrir les yeux, parce que vous allez vous casser la figure. Dès qu'on ferme les yeux, si vous sentez que vous partez, ouvrez les yeux. Dès qu'on ferme les yeux, naturellement, on a tendance à bouger un petit peu plus. Ça fatigue plus, il y a plus de recherche d'équilibre. Si on a le sens de la vue qui n'est plus là pour nous servir de repère, donc ça devient beaucoup plus difficile. Par contre, c'est beaucoup plus efficace. Donc, avec la vue, donc les yeux, sur un pied, donc les yeux ouverts, avec des déséquilibres, les yeux ouverts, et ensuite les yeux fermés. Ne vous mettez pas en danger les yeux fermés, essayez toujours d'avoir un endroit où vous risquez pas de tomber sur une table, une commode, ou etc., etc. Donc faites très attention. Voilà, bon, des petits conseils. C'est très conseillé aujourd'hui à la proprioception et le travail d'équilibre à n'importe quel âge, pour les sportifs comme pour les non-sportifs. Voilà, faites ça souvent. Mais pas longtemps, c'est pas la peine de faire 3 minutes ou 5 minutes, il y a des gens qui vont essayer de faire des records. Vaut mieux faire souvent dans la journée, c'est conseillé comme ça, plutôt que longtemps. Voilà. Et ben, bon entraînement, bonne proprioception. Salut, salut, à bientôt.